Et bon, là, approchez, affairage pour vous, là, mon cher. Je vais maintenant, je dis bien maintenant, vous parler de ce que je vis, de ce que vit le coupé décalé, et pourquoi certaines personnes ont commencé à demander pardon à Deborah du Koufa, le maître. Pourquoi tout le monde essaie de se rallier? Arafat dit que non, il demande pardon à Deborah. Et qu'on sort Deborah, je m'excuse, tout et tout. Deborah, ça n'a rien à dire. Moi, j'appelle ça un pardon sorcellerique. C'est un pardon qui est mystérieux. C'est un pardon qui est très stratégique. Arafat, on a compris ton pardon. Mais si on s'attrape dehors, on s'est salué. Mais ça continue. Aïe, on est dedans. Arafat, c'est une connerie de pardon, il est venu demander. Il sait pourquoi il a demandé pardon. Oh, c'est une vidéo stratégique. Arafat joue avec esprit, votre esprit, oui. Il sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il a fait cette vidéo. Réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. C'est dans le clash, nous touchons Daba. On va Daba dans le clash. Tu es menteur, Arafat. Tu es menteur, Arafat. Arrête avec tes idées bidons, là, mon cher. Ça ne peut pas nous endormir. Toi-même, tu sais que s'il y a réconciliation, toi-même, tu es en danger. Ah, mais toi, tu t'inspires des clashs. C'est des bêtises, c'est un menteur. Moi, j'appelle pas ça un pardon. C'est un pardon à jeter dans la poubelle. Parole du maître.